Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle, des nouvelles de l'UPA Abitibi-Témiscamingue. Qui de mieux placé pour nous en donner que son président, M. Sylvain Vachon. M. Vachon, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Ça me fait toujours plaisir. Et c'est réciproque, croyez-moi. Parce que c'est toujours... On sait que l'agriculture, l'agroalimentaire, ça a une place extrêmement importante dans notre société et l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas exempt de ça non plus. Alors, c'est pour ça que je calcule que c'est important d'en parler beaucoup, beaucoup, parce que c'est bien beau entendre dire « Ah, on a eu un printemps tardif, on a les récoltes, les semences, qu'est-ce que ça va faire? » Alors, pour le simple commun des mortels, bien, peut-être parce que moi, je fouille beaucoup là-dedans, alors je sais c'est quoi un peu, mais peut-être pour une autre personne qui va passer dans un rang, disons, puis qui va voir des machines agricoles, il va voir un troupeau de bovins, etc. Ah, bien, coudonc, regarde, ils sont là, ça va, ils ramassent son foin, mais des fois, là, c'est beaucoup plus pénible que ça parce que il y a tellement d'embûches. Alors, les enjeux sont multiples et je suis d'accord avec vous, ça concerne toute la population. Ah, toute la population! La ruralité qui est l'Abitibi-Témiscamingue a été façonnée par nos aïeux qui étaient des agriculteurs. On a défriché les terres, puis là aujourd'hui encore, on les cultive et ça contribue à l'économie de la ruralité. Et j'aime dire que l'apport économique de l'agriculture est non négligeable parce que quand on supporte d'une manière ou d'une autre, ce secteur d'activité-là, on contribue à améliorer la situation d'entreprise avec des sièges sociaux un peu partout au Québec. Les sièges sociaux ne sont pas à l'extérieur et l'argent reste tout dans la ruralité et contribue, oui, à l'agriculture, mais aussi à toute la population en général. Moi, M. Vachon, je sais que c'est d'une extrême importance, mais moi, si je vous demandais l'importance de l'agroalimentaire, on va parler pour notre secteur à nous autres, secteur, bon, Abitibi-Témiscamingue, là, en général, mais l'importance de l'agroalimentaire. Ah, il y a plusieurs facettes à cette question-là. Est-ce que, quand on parle par rapport à l'habitation du territoire, est-ce qu'on aurait des milieux ruraux aussi dynamiques sans agriculture? Poser la question, c'est d'y répondre, c'est non. Exactement. Est-ce que, par rapport, concrètement, à l'apport économique de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue, c'est au-delà de 100 millions de retombées? Exactement, parce que j'ai ici des chiffres, mais je sais que vous allez peut-être les corriger parce que vous êtes plus au courant que moi. Moi, ce sont des chiffres que j'ai réussi à avoir, mais disons au 31 décembre 2012. Ça peut avoir changé un peu, mais j'aimerais qu'on les regarde pour justement sensibiliser les gens, sensibiliser la population à savoir c'est quoi exactement, parce qu'il y a des chiffres qui sont renversants dans ça. On va en prendre juste un. Quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, on parle de 240 animaux, est-ce que je me trompe, 240 animaux de ferme, oui, c'est sûrement ici, là, il y a sûrement une erreur, mais on parle d'animaux de ferme, 614 fermes, des revenus totaux de 125 millions, nombreux emplois qui sont créés. Mon Dieu, moi je trouve ça excessivement important, parce que quand on parle de 614 fermes, c'est énorme. Bien, regardez vos chiffres, date de 2012, je peux vous confirmer qu'en date d'aujourd'hui, là, on est rendu à 596 fermes. OK. Il y a seulement trois ans, c'était au-dessus de 720 entreprises qu'on avait sur le territoire. Et si vous me permettez juste une seconde, parce que je vais me corriger, je viens de voir ma note ici, non pas 240 animaux de ferme, 240 000 animaux de ferme. Ouais. C'est aussi beaucoup. Ça, c'est les données là, québécoises. Oui. Par rapport à le troupeau de bovins en général, là, c'est des données québécoises de 240 000 têtes. Là, ça veut dire qu'entre 2012 et aujourd'hui, on aurait encore perdu des fermes. On a perdu des entreprises. Et juste pour donner l'exemple, on parle là, du drame que vivent les gens d'Autier avec la coopérative. Oui. C'est de la même envergure.
C'est le nombre d'entreprises qu'on a perdues depuis 3 ans. Ça représente le nombre d'emplois directs qui ont été perdus en agriculture. Les données nous disent qu'aujourd'hui, dans le veau d'embauche, les prix sont historiquement élevés. Ça veut dire que c'est une bonne période de prix. C'est intéressant pour les producteurs. On est à même de contribuer davantage à la richesse collective comme entrepreneur. C'est 171 millions au Québec, juste dans la production veau d'embauche, qu'on se prive de retomber. À l'heure du questionnement par rapport à la création de richesse, les choix difficiles que le gouvernement nous prépare, là. On le sait, là, si on écoute les médias, ils nous préparent à des coupures un peu partout. Oui. Ils nous disent qu'on ne crée pas suffisamment de richesses. Ben, les décisions du passé ont créé 171 millions de retombées de moins juste dans une production qui est le veau d'embauche. Si on rajouterait le porc au Québec, énorme, là, on parle au Québec. C'est là. Énorme. Si on rajoute le porc, si on rajoute l'agneau, c'est phénoménal comme on se prive de retombées économiques. Et ça prend seulement quelques leviers bien placés comme on propose à l'Union des producteurs agricoles, pour permettre, aux agriculteurs de bénéficier d'un environnement d'affaires favorable et structurant pour leur entreprise, pour les régions qu'ils habitent, mais pour le fisc québécois. Avec cet argent-là, les retombées nettes pour l'État, ben, on peut mieux répondre aux besoins en santé, répondre aux besoins en éducation. Et de ça, on ajoute la vitalité rurale. Mais mon Dieu, oui. Okay. Oui, exactement. C'est pertinent de fournir des bons leviers. Oui, alors, je vous ai déjà posé la question, puis je sais que vous n'avez pas peur de répondre aux questions. Vous êtes transparent aussi, ça. J'admire ça beaucoup, beaucoup. Mais est-ce que le gouvernement vous écoute? Moi, je pense, là, je parle... On a l'UPA Abitibi-Témiscamingue, dont vous êtes le président, mais c'est qu'on a aussi l'UPA provinciale, haut niveau, qui chapeaute toutes les UPA régionales. Est-ce qu'on vous écoute à Québec? Est-ce que Québec est sensibilisé? Et là, vous me voyez venir, je suis persuadé, on avait le ministre ici de l'Agriculture, M. Gendron, bon, qui sont partis et a été défait aux dernières élections. C'est Pierre Paradis, si je me souviens bien, qui est ministre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la même écoute? Et là, je ne veux pas faire de politique, là, non, du non, tout, du je, tout. Je sais que, ça va me faire plaisir de répondre à la question. Je sais que vous me comprenez très bien ce à quoi on veut amener. Est-ce qu'il y a la même écoute au moment où l'on se parle à Québec qu'avant les élections dernières? Bon, il y a autant de styles de gouvernance qu'il y a d'individus qui occupent les postes. C'est que M. Gendron était, vous le connaissez bien, c'est un homme qui est près des gens, près de la population, ouvert énormément. Le ministre Paradis a un autre style. C'est pas le même type d'individu que M. Gendron. Est-ce que l'écoute est là? Ben, regardez, depuis la venue du nouveau gouvernement, à bien des égards, on a des dossiers qui se concluent de manière positive pour les producteurs, que ce soit le règlement sur la captation des eaux, fait en sorte que, bon, on avait des préoccupations importantes, là, tout ce qui est attrait là, aux puits municipaux, aux captations d'eau pour des municipalités dans les rivières. Ce qui était sur la table était complètement... ça pouvait pas être applicable du point de vue agricole. Ça devenait, là, on amenait une problématique. On dit pas qu'il faut pas protéger l'eau. On est à la même place. Mais en même temps, c'est que quand une municipalité, je donne un exemple concret, une municipalité aura à faire un puits, aura à faire une étude économique des retombées par rapport à l'agriculture. Ça fait que ça l'amène dans la prise de décision municipale, une variante qui tenait pas compte et que les producteurs assumaient seuls. Ben, la nouvelle réglementation par rapport à ça répond aux attentes de l'UPA. Est-ce qu'on a une écoute? La réponse est oui. Il y a des décisions, moi je l'ai dit, il y a des décisions actuellement que le gouvernement du Québec a à prendre. On est, nous, à l'UPA, on n'est pas déconnectés de la réalité. On comprend les enjeux et nous, la manière d'y répondre, c'est de dire que on ne demande pas d'argent additionnel à l'État, à la Confédération, à l'UPA provinciale. On ne demande pas plus d'argent. On demande que les sommes qui sont déjà attribuées à l'agriculture soit disponible pour les producteurs, parce que nous aussi,
On veut d'une province qui économiquement parlant, se développe. Et nous, ce qu'on veut, c'est y participer. Puis en passant, le principal secteur d'activité économique au Québec, c'est l'agroalimentaire. C'est 124 000 jobs. Et l'agriculture est à la base de toute cette filière agroalimentaire. Ça fait que le gouvernement a avantage, à notre avis, d'investir de cette manière-là. Puis on est convaincu qu'on va avoir, comme on l'a eu dans d'autres dossiers, on va avoir l'écoute du gouvernement parce que c'est, pour eux comme pour nous, avantageux. C'est pour ça que je veux qu'on en parle, M. Vachon. Et vous serez toujours le bienvenu ici parce qu'il y a des chiffres qui sont énormes. Puis les gens ont peut-être tendance un peu à dire, l'agriculteur, il y a des gros tracteurs, ça coûte des centaines de mille piastres, puis il y a de l'argent, puis il roule, puis... Mais il y a des gros chiffres dans ça, là. Puis il faut que vous soyez appuyés, puis ça prend l'aide du gouvernement dans plusieurs dossiers, j'en suis persuadé. Alors, mais d'après vous, est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment évolué, disons depuis peut-être 5, 6 ans, 7 ans, dans le domaine agroalimentaire, est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment évolué positivement? Ah, tout à fait. Là. Écoutez, là, on a dans les dernières années le prix des grains qui, pour les producteurs de céréales, a explosé. Moi, je suis producteur d'avoine. Et moi, quand vous mangez des barres tendres, Quaker, là, ben, ouais. Peut-être que vous avez peut-être de l'avoine dans ces barres-là qui viennent de chez nous, tout le gruau, etc. Ouais. En région, on produit énormément d'avoine. Les prix sont historiquement bons. Okay. Ça veut dire que d'autres... Plus on va chercher de l'argent du marché, moins l'État a à intervenir. À et c'est correct. On est à l'aise avec ça. Oui, mais si on n'aurait pas eu les outils dans le passé, on ne serait pas là aujourd'hui pour créer davantage de richesses. Et même avec les outils qu'on nous fournissait, il y avait un net pour le gouvernement. Imaginez-vous aujourd'hui comment c'est rendu intéressant. Dans les céréales, depuis quelques années, c'est très intéressant. On a parlé de la vache folle, on a parlé du dollar. Ça a été très difficile dans la production bovine, ce qui est une production plus en région, là. Et le bonheur est dans le prix. Et dans le prix, bon, oui, c'est bref, ça, oui. J'ai plus l'expression, mais oui, actuellement, ça. Les prix du veau d'embauche sont encore là, historiquement élevés depuis un an. Là, présentement, on peut vendre un veau d'embauche d'environ 800-850 livres là, à près de 2 000 $. Okay. C'est des prix qui font en sorte que les outils qu'on avait, qui nous compensaient pour les pertes, moi, à mon avis, l'année prochaine, on devrait battre le modèle. On ne devrait pas avoir besoin du soutien de l'État par rapport à ce programme-là. Là, il reste à prendre en conscience qu'il y a une réalité qui est territoriale. Moi, le maïs, dans les dernières années, est extrêmement intéressant. Faire du sirop d'érable, c'est hyper intéressant, c'est rentable. Et c'est des productions que les producteurs de la vallée du Saint-Laurent sont capables de jumeler avec leur production, que ce soit de lait, de porc, etc. Oui. Et ça fait un cumul d'entreprises qui ont plus de variété et plus rentables dans le temps parce qu'ils ont des possibilités qu'on n'a pas. C'est ça. Moi, je dis, il faut comprendre cette réalité-là. Moi, même si je veux entailler mes épinettes, on ne vend pas de sirop d'épinettes. On fait peut-être de la gomme d'épinettes, mais il n'y a pas un gros marché. Sirop de bouleau, il y en a un peu, apparemment, mais c'est pas rentable. Non, c'est pas le même intérêt. Et il faut reconnaître ça, l'éloignement des marchés, etc. Et je vous ai déjà parlé sur vos ondes. On a quoi de concret sur la table à offrir au gouvernement pour contribuer, comme je le disais tantôt, à occuper le territoire et à créer de la richesse partout au Québec. Quand on aide une aluminerie avec des rabais d'électricité, fait 200, 300, 600 jobs dans une ville au Québec. Puis des fois, les sièges sociaux sont à Pittsburgh. Ah oui. Et l'agriculture, bien, c'est une fraction de ce montant d'argent-là créer de la richesse à la grandeur du Québec, puis il n'y a pas d'argent qui va dans les paradis fiscaux en agriculture. Là, êtes-vous après me dire que, on prend une supposition, là, l'agriculteur, disons, dans le Bas-Saint-Laurent, peu importe, mais pas en Abitibi-Témiscamingue, dans les régions plus chaudes un peu, si on peut... De la vallée du Saint-Laurent. De la vallée du Saint-Laurent, oui, on peut appeler ça comme ça. Pour beaucoup boucler les fins de mois, excusez l'expression, là. Eux autres, ils ont autre chose, comme vous avez dit justement, la production de sirop d'érable, chose qu'en Abitibi-Témiscamingue, on n'a pas.
Donc, si vous voulez arrondir un petit peu les coins, si vous voulez que le budget soit bien, bien fait et rentable, que votre ferme soit rentable, vous n'avez pas autre chose pour venir compenser ce que ailleurs peuvent avoir. Alors, c'est pour ça que pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est plus difficile à ce moment-là. Pas l'Abitibi-Témiscamingue, mais les régions périphériques en général. Ou les régions périphériques, rapports, okay. Il y a le rapport Pronovo qui reconnaît qu'il y a une disparité qui se creuse là, entre les régions périphériques. Là, on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, la Saguenay, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, versus ce qui est l'agriculture plus centrale, près des grands centres de transformation des okay. aliments. Nous, ici, on pourrait faire du petit pot en canne. Moi, je l'ai déjà dit. Là, tu sais, là, quand on achète, c'est fait au Québec, la meilleure eau au monde. Là, est où? Est à Amos. Est ici, ben oui, est à Amos, c'est sûr. Le deuxième ingrédient sur la canne, c'est l'eau. Oui. Mais on ne peut pas produire ce petit poids-là qui est il serait très lucratif parce que le produit se détériorerait dans le transport. Ah, okay. Bon. Mais là, ce qu'on dit, nous, ici en région, c'est que vu qu'on n'a pas ces opportunités-là, c'est pas parce qu'on n'est pas des gens d'affaires, c'est parce qu'on fait ce qu'on est capable de faire dans le climat dans lequel on produit. Et pourquoi on dit qu'on devrait reconnaître ça, c'est que l'Abitibi-Témiscamingue, quand on compare au district de Cochrane, je ne veux pas dire qu'en Ontario, c'est pas correct, mais la dynamique rurale est complètement différente et ça repose sur l'agriculture qui dynamise tous les rangs, tous les villages de la MRC de l'Abitibi-Ouest et de l'Abitibi-Témiscamingue en général. En général. Monsieur Vachon, si vous me permettez, on ne s'en fargera pas là, dans les chiffres, mais juste pour... On va terminer avec quelques statistiques là, que j'aimerais juste qu'on regarde chez nous en Abitibi-Ouest. Là, quand on dit que l'Abitibi-Ouest est au deuxième rang en ce qui a trait au nombre de fermes avec 26 % Principale production de la région, c'est le bovin de boucherie avec 24 000 vaches. Production laitière, l'Abitibi-Ouest vient au deuxième rang avec 7 000 vaches. Ça aussi, l'Abitibi-Ouest, c'est beaucoup. C'est 30 % de l'économie totale de l'Abitibi-Ouest qui est l'agriculture. Et là, on parle... Fait que c'est 30 cents sur une pièce, autrement tout dit. À fait, là. Tout à fait. C'est pas rien. Là. C'est pas rien. Quand on se posait la question, quand on a en Abitibi-Ouest, on s'est questionné, on était aux barricades pour l'industrie forestière, à raison. Oui. On a dit, c'est important, il faut avoir des programmes dans la crise forestière, etc. On a vu, on a perdu des usines en Abitibi-Ouest. Ça l'a fait mal. Il y a des gens qui ont souffert de cette dynamique-là. Dans ma famille, j'ai des gens qui travaillaient là, à peine 6 mois par année. C'est pas une manière de se garantir un avenir. Bon, ben l'agriculture a le même impact sur la région d'Abitibi-Ouest que l'industrie forestière a. À peu près. Parce que à quelques variantes près. Là. Industrie forestière, on en a un exemple qui est flagrant en Abitibi-Ouest, Tembec, Tachereau et CFNO qui vient de fermer ses portes. Tout à fait. Fait que là, ça, ce sont des coûts qui sont difficiles. Puis, on met sur. C'est gros, oui, mais quand un cultivateur est obligé de fermer, de faire faillite, il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup. Non, c'est clair. Puis moi, je peux aussi dire que les agriculteurs, on est des gens, sont rares les agriculteurs comme moi qui aiment s'exposer. C'est des gens plus réservés, qui n'aiment pas être vus. Oui, OK. Et moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas le syndrome du coupage de ruban. Tu sais, je vais vous dire, moi, cette année, sur mon entreprise, c'est encore 175 000 $ que j'ai investi. Et ça, j'ai pas acheté le matériel que j'ai acheté. Vous parliez de gros tracteurs, etc. Mmh. C'est un besoin essentiel. Oui, c'est sûr. Mais oui, on n'a pas, sûr, c'est pas parce qu'on est, on est très riche qu'on le fait. Non, parce que mais c'est ça un prend besoin. Ça, ça prend ça. Oui, on peut multiplier ça par le nombre d'entreprises. Là. C'est peut-être pas tout à la même hauteur à chaque année, mais on a ces investissements-là. Et moi, l'argent que j'ai investi, je l'ai tout acheté dans des entreprises locales. J'ai pas acheté cet équipement-là, moi. Ça, c'est important de le dire. À Saint-Hyacinthe ou à Toronto. Non, j'ai acheté à Ottawa ou peu importe. Dans des commerces d'Abitibi-Ouest. Ça c'est autant important. D'argent de retomber sur la région. Oui. C'est majeur. C'est majeur. Parce que, puis quand vous parlez justement d'investissement, on dit ici qu'on parle de l'Abitibi-Ouest. Valeur moyenne d'une entreprise agricole en Abitibi-Témiscamingue. Là, on parle de. Pour cet item-là de l'Abitibi-Témiscamingue,
L'entreprise agricole Abitibi-Témiscamingue, 732 000 $ de valeur moyenne, ça inclut tout sauf les quotas. Fait que on est rendu là, à 750 000 $. Tout à fait. Des entreprises comme la mienne, c'est des valeurs qui dépassent le million de dollars. C'est, faut comprendre que c'est peut-être pas nécessairement tout un avoir propre. Non, 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 on fait Desjardins, Banque nationale et compagnie font de bonnes affaires aussi avec les agriculteurs, mais c'est un moyen, on crée de la richesse, il y a un capital et la plupart des beaucoup d'agriculteurs sont même prêts pour maintenir l'entreprise, de se priver d'une partie du capital lors du transfert de l'entreprise. Moi, j'en suis un exemple. Mes parents, moi, ne m'ont pas demandé une scène noire là, pour le transfert. Ils sont toujours actionnaires avec moi. Okay. Mais on tu sais, l'importance de maintenir... les agriculteurs ont cette sensibilité-là de maintenir une activité sur le territoire. On est ancré dans le sol. Parce que moi, je reçois... Ben, là, peut-être un peu moins, parce qu'ils sont peut-être, comme vous dites, plus effacés un peu, mais il y a un temps où j'ai reçu à l'occasion des agriculteurs comme vous, M. Vachon, et puis on voit, comme je vois ce matin encore pour vous, cette passion. Cette passion là, qui vous habite, c'est extraordinaire. Tout à fait. Moi, c'est un trait commun là, pour tous les agriculteurs. Oui. On ne peut pas faire ce métier-là sans en être profondément croire, passionné. Premièrement, y croire au départ. Complètement passionné par l'activité qui est l'agriculture. On travaille avec du vivant et ça, il y a une valorisation. Et d'ailleurs, je faisais l'ouverture du marché public de Palmarol. Oui, OK. Mmh. Et c'est ce que j'avais trois messages. J'avais un message, entre autres, pour les producteurs qui étaient présents là. C'est ça que je leur disais. La passion qui vous anime dans votre travail, puis de venir communiquer ça avec le citoyen, oui, le consommateur, ça, venir vous êtes de les ça, ambassadeurs du monde agricole. Compte, parce que la passion qui vous habite, là, dites-vous que chaque agriculteur, peu importe le modèle d'entreprise qu'il a cette même passion-là, d'un, pour dynamiser le milieu, mais aussi pour nourrir la population. Nous, en bout de ligne, on fait à manger pour les gens. Et c'est ce qu'on fait. Là. Quand le producteur laitier a des normes très strictes de qualité, etc., il le fait avec enthousiasme parce qu'en bout de ligne, il est conscient que les gens qui vont consommer son produit vont être satisfaits, que ce soit du lait, du yogourt, du fromage, etc. On a des exemples intéressants avec la qualité du produit que la vache à maillot fait en Abitibi-Ouest. Exactement. Oui. Monsieur Vachon, le temps passe tellement vite. Il y a deux sujets que je veux parler absolument avec vous. Le premier, c'est le projet d'une porcherie au Témiscamingue. Quels en seraient les avantages? Ah, écoutez, là, le projet est embryonnaire, oui, j'ai à oui, dire. Oui. Nous, les contacts qu'on a eus avec la coop fédérée, Olimel, pour ce projet-là, semblent très intéressants. C'est que ces gens-là ont l'intention de le faire de manière... ils ont une préoccupation pour l'acceptabilité sociale du projet. C'est un gros projet. Ça changerait complètement une dynamique agricole dans un territoire comme le Témiscamingue, mais ça pourrait être vrai aussi pour l'Abitibi-Ouest. Oui, exactement. Oui. Et ils veulent le faire en... Ce qu'on entend, c'est qu'ils veulent le faire en partenariat avec les agriculteurs sur le terrain. Et juste pour rassurer les gens par rapport... Ça, ben, tout à fait. Là, il y a des retombées positives pour ces agriculteurs-là qui auraient des matières fertilisantes à moindre coût et ça améliorerait leur productivité au champ. Tu sais, quand on dit là, les possibilités qui s'ajoutent, ben, ça en est un exemple. Et pour rassurer la population, parce que vient avec le mot porcherie, on vient le mot odeur, bon, et désagrément. Bon, c'est ça. Oui, justement. Et ce que j'entends du projet, moi, je veux pas être le défenseur du projet, parce que c'est à Olimel à le faire, mais ce que j'ai entendu, c'est que tout le lisier serait étendu de manière très respectueuse, c'est-à-dire au lieu de l'aéo-aspersion, qui fait en sorte que ça sent le fumier quand on éteint, ça serait une manière qui serait enfouie directement dans le sol, donc qui amène aucune odeur là par rapport à l'activité d'épandage. Parce que c'est ça hein, qui est le principal problème. Les gens, ça monte aux barricades immédiatement quand on entend parler d'une porcherie. Non, 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 allez-vous-en dans le fond des bois le plus loin possible. On veut rien savoir de vous autres. Moi, j'ai une maison qui est là, puis si je m'assois sur mon patio, Sylvain et Wes, je pourrais pas m'asseoir. C'est ça. Et c'est une préoccupation que je comprends qui est légitime. Ben oui, exactement. On demeure dans des milieux de vie intéressants.
intéressant. Oui. Et on veut garder notre qualité de vie. Ben oui, c'est sûr. Et moi, c'est ce que je dis à ces gens-là, de dire, regardez, pour avoir une qualité de vie intéressante, il faut aussi avoir une activité économique. Et l'activité économique, ça doit se faire dans le respect des gens qui l'habitent. Oui, c'est sûr. Et moi, ce que j'entends du projet, c'est ça. C'est de dire, on veut le faire, mais on ne veut pas tanner le monde avec ça parce que le produit en bout de ligne qui va être fait, c'est pour l'occupation du territoire. Et si on crée de l'activité économique, bien, la personne qui a sa maison au milieu rural, bien, économiquement parlant, pour elle, c'est intéressant aussi parce que la maison garde une valeur. Oui. La journée qu'une paroisse perd son école, perd son dépanneur, notre maison vaut quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si on crée de l'emploi, puis les projets du Témiscamingue, c'est 50 emplois directs, 50 millions d'investissements et des retombées pour les agriculteurs qui l'entourent. Ça, là, c'est de l'activité économique, c'est de la création de richesses, ça profite à tout le monde. Donc, on est rendu aujourd'hui avec un tel projet, quand on parle de porcherie, il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Ce qu'on voit actuellement, ça semble très intéressant. C'est sûr, parce que il y en a qui ont voulu se partir des porcheries ici autour, puis mon Dieu Seigneur, je te dis que ça montait aux barricades, puis pas à peu près. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont travaillées autrement, comme vous dites. Moi, je suis convaincu. L'enfouissement, etc. Il y a des Moi, je suis convaincu que la majorité des gens d'Abitibi-Ouest ne sont même pas au courant qu'il y a une porcherie à Palmarol et qui est encore en activité. Oui, oui. Et contrairement aux détracteurs de l'époque, je me souviens, là, c'était Palmarol allait devenir Palmaport. Et ça allait sentir seulement le lisier de porc. Ça fait pas tellement longtemps de ça non plus. Des années, fin des années 90, début des années 2000, dans cette période-là. Une dizaine, de 12-15 ans. C'était Porcherie-là, tu as une opération. Et ce n'est pas Palmaport, absolument pas. Non, Palmarol est encore un milieu de vie très intéressant. Très intéressant. Il y a encore des gens qui viennent y habiter. Il y a une belle vitalité rurale dans cette paroisse-là. Un dernier sujet, il reste à peine 2 minutes, M. Vachon. Les fameuses journées portes ouvertes sur la ferme, ça, moi, je trouve ça, c'est une bonne chose. Là, on fait vraiment connaître l'agriculture. Bien, il faut, le producteur, c'est par la manière que le commerce se fait aujourd'hui, on s'est coupé du consommateur. C'est peut-être moins vrai dans les milieux ruraux, mais encore là, des fois, on entend des choses qui sont drôles. Mais dans les milieux urbains comme Montréal, c'est flagrant. On ne sait pas que le litre de lait vient du fait qu'une vache a eu un bébé. Et que là, la maman produit du lait pour nous. On n'a pas conscience de ça. L'œuf vient de la poule. Et en région, pourquoi que, là, 12 ans, on a décidé de faire ces portes ouvertes-là? C'est de rentrer en contact avec la population en général, leur faire voir ce qu'on fait de bien, parce que on le fait bien. Ce qu'on produit, on le fait bien, on le fait dans le respect de l'environnement, on le fait avec passion, puis on le fait avec un but ultime, c'est de nourrir la population, puis de se nourrir nous-mêmes comme individus avec notre entreprise. En région, on avait 2 belles entreprises qui étaient ouvertes, la ferme Boutillette à Guérin, au Témiscamingue, une belle ferme laitière qui ont ouvert leurs portes, et il y avait la ferme avicole Paul-Richard à Rivière-Eva, qui est une production d'œufs de consommation. Les œufs, on l'a dans nos épiceries, produits-là. Ferme Richard. Et là, on a vu, entre autres pour cette production-là, on a vu là, que la famille Richard a un souci de l'environnement, un souci du bien-être animal. On a vu des cages avec des poules là, les cages respectent tous les besoins naturels de l'animal. On a vu de quelle manière se font le tri des œufs, le nettoyage, etc. Et aussi, une chose très intéressante, moi je suis comme agriculteur, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est toute la production de canola qu'ils font. Ils transforment en biodiesel là, pour alimenter leur tracteur. Ça réduit les gaz à effet de serre, puis c'est intéressant. Monsieur Vachon, c'est tout le temps. Merci infiniment. C'était encore une fois très intéressant. Puis vous aurez toujours une place à cette émission-là également, parce que c'est tellement, tellement passionnant de vous entendre, monsieur. Ça me fera plaisir d'en revenir. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir également. Merci beaucoup, monsieur Vachon. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rend rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.